Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi 12 juillet 2024. Déjà, m'abdou, bienvenue sur Channel Polan, TAC 509, tout haïtien connecté. Ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, n'a pas continué pour tes informations pour vous, n'a pas continué brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé l'actualité. Je proverbe créole l'andil. Dit diable bonjour la manjou ou pas dit bonjour la manjou pi red. Et bien après un peu de temps nous pas attendre ancien sénateur Guy Philippe qui parlait de questions politiques, qui parlait de ça qui a passé en dedans pays. Et bien Guy Philippe, li pas senti te carrété bouche bé pour pas répondre, pour pas voyon pinga bay oui Clève Jean à question dialogue, à question concert pour l'appel, il décide entreprendre côté l'hypothèse comme médiateur pour qu'on chita parler nèg examen à gouvernement premier ministre Gary Conil. Qui position Guy Philippe non moment n'a parlé à compatriote haïtien frèsem ou pral gagner tout détail yo puisque pile moun pas t'attendre à position ça. Et bien Guy Philippe lui-même li parlé rete connecté détail yo a venir. Yon lot bon, nous gagnons, ministre Affaires étrangères, Dominique Dupuis. Eh bien, madame la ministre, franchement, compatriote haïtien, franchement, li pa suspend, étonné, peuple haïtien, li pa suspend, étonné, pays. Li parle, gagne plusieurs gros dossiers extrêmement importants. Ministre, li manyen là, et m'pas caché, dit nous, depuis ce ministre Affaires étrangères qui te passé dans la diplomatie, on pral gagne pour yon camper face à peuple haïtien, face avec pays. Rete là, détail yon a venu. Qui nouvelle, premier ministre Gary Conil, qui nouvelle, conseil présidentiel transition, qui nouvelle structure politique sa yo, qui yo même fait partie de conseil présidentiel. Gros rencontre faite entre premier ministre Gary Conil, à Claude Joseph, à structure politique et des RED, ou pral gagner des tailles. C'est autant de formations, nous pral partager avec vous, avec un pilote encore. Déjà, m'a invité, ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification, comme ça, ou après, t'es connecté avec nous, ou pas rater aucun vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens frères sœurs, n'a commencé émission avec des informations qui concernaient ministre et justice sécurité publique là. Nous connaissons dans dernier jour ça yo, ministre justice là, il n'a collimateur et NDDH. Pierre Espérance plaque des guidons, fuck mettre Carlos circule, fuck ministre justice, fuck li révoquer Muscadé, fuck li remplacer Muscadé, fuck yo ta même arrêter Muscadé. Donc RNDDH à chaque Pierre Espérance yo la guide guidon derrière Muscadé. Eh bien, non moment là ministre justice lui-même li dit et pourquoi bagay comme ça la régler. Li pas nan question révocation Muscadé. Li même li dit pas gè campé, bandi a craser prison. L'a construit prison, l'a cherché l'argent pour le construire prison, l'a cherché l'argent pour le construire tribunal, parce que c'est job li pour l'instant, c'est ça le mettre focus li sous li. Eh bien, je n'ai constaté là, hier jeudi, nous avons mis le justice à mettre Carlos circule, qui lui-même li organisé en gros une réunion avec plusieurs bailleurs de fonds. Côté que l'étape discuté de réhabilitation infrastructure policière et judiciaire yo que bandi yo même yo crasé. Le y a parlé de réhabilitation infrastructure pénitentiaire ou bien policière, tout ça qui gen pour avec infrastructure policière, c'est question commissariat, sous-commissariat bandi yo crasé ou vandalisé, et ça qui gen pour avec infrastructure judiciaire, nous connaît gen en pile tribunal et bandi yo pillé, bandi yo mette du feu ou vandalisé, gen l'autre pour parler de justice li même et soumis centenaire nous pas connait depuis qui l'est. Et commissaire gouvernement, yon nou pa konn depuis qu'il est juge descend là, puisque c'est coincé moun mette moun yon a fait sous la lion. Donc, son véritable casquette chinois, son véritable problème nié, parce que ministre justice li même li vle pour ta gen réhabilitation qui fait pour institution yon ta recampé et pour justice fonctionner, pourquoi pas. Donc, dans ce sa, li rencontre avec divers bailleurs de fonds et depuis y a parlé de bailleurs de fonds dans question et tribunal dans question restructuration la police, nous getan wè USAID, nous getan wè NUD, nous getan wè Banque Mondiale, nous getan wè divers partenaires sa yo qui yo même yo te présent, yo tap assisté avec réunion si la. Et nous gagnons également, compatriotes haïtiens frères, nous gagnons Premier ministre Gary Conil,
mercredi qui s'est passé à qui était une grosse rencontre, une grosse réunion avec structure politique et des raids. Des pour dire raid ou dire dans l'ubériste, des pour dire aider ou dire exactement Claude Joseph. Sur qui ça a discuté, eh bien, je n'ai pas gardé là avec moi. Le premier ministre Gary Conny s'est entretenu mercredi avec le secteur raid aidé, membre de l'accord du 3 avril. Selon la primature, la rencontre avec les représentants de raid aidé s'est révélée productive et a porté sur la sécurité, la réforme constitutionnelle et les élections. Donc, Premier ministre Gary Conny, dans le cadre de la rencontre qu'il fait avec les représentants structure politique, ça a discuté de questions de sécurité, ils font passer mais sous question réforme constitutionnelle, ils font passer mais sous question élection. Et pas oublier, élection, il était priorité et gouvernement à tout conseil, et que ce soit et ça qui est pour avec sécurité avant toute bagaille, sécurité avant toute chose, après pour parler de réforme constitutionnelle, de changer constitution, et après pour arriver à organiser élection. Mais question moi-même d'arrêt me poser nous et pendant gagner et rencontre qu'a fait avec structure politique yo pour regarder analyser tate terrain pour regarder comment et yo ka aborder question élection question réforme constitutionnelle là depuis sous président Jovenel Moïse qui lui-même qui était un véritable épée Damoclès sous tête président Jovenel Moïse bâtonnier Montferrier d'Orval yo assassiné pour question changer constitution ça parce que gen nèg qui te senti intérêt yo menacé, intérêt yo te lésé, tout ça. Donc, journée jodi an men débat retourné nan actualité parce que vle pa wè faut gen changer constitution. Faut bon changement dans constitution. Mais kounye a, comme premier ministre Gary Conny nan premier étape là, c'est inviter structure politique yo. Moi même ta remè konnen en tant qu'haïtien k'ap suiv actualité politique là, ki ap suiv comment et politiciens yo participer non façon ou bien non l'autre nan gangsterize paysan nan fait alliance à oligarque corrompu pour déstabiliser paysan comment corruption la valé administration publique là est-ce que le pas important nan nouvelle constitution k'ap gagner pour nous ta faire plaidoyer pour gagner et rétablissement peine de mort pour ta retourner avec peine de mort là peine de mort là yo te ka toujours et peut-être nan code pénal là vigné avec des infractions qui susceptibles pour une peine de mort comme peine capitale etc. Mais dans la constitution avant 1987 j'en te gagne la constitution est-ce que le pata bon qui soit pensé si yo ta rétabli remettre peine de mort dans nouvelle constitution que pays a gagne yon façon peut-être pour dissuader corrompu yo nèg k'ap fè trahison acte de trahison moun k'ap trahi pays an moun k'ap vann pays a blanc moun ka vann ressources nou yo ressources naturelles sous sol pays avec blanc est-ce que papa gen yon façon pour dissuader yo pour nèg yo tout konnen ha si m'a fè mauvais contrat contrat malachon pour m'a bay étranger avantage sous pays mais ça qu'arrive est-ce que nèg yo pas réfléchi à deux fois m'ta remè gagner opinion perception pendant le premier ministre Gary Conny a fait rencontre sur réforme constitutionnelle sur question élection est-ce que le pas important pour nous même dans société civile dans population pour nous faire des pétitions pour ta gagner des plaidoyers qui fait pour yo ta rétablir peine de mort en dedans pays que ce soit pour bandi à cravate pour bandi à sapate depuis c'est intérêt pays d'Haïti ou manye depuis c'est peuple haïtien ou manye mais ça qu'arrive ou mais à qui soit qu'à attendre réfléchis sur ça et quitte réponse pour là dans yon commentaire compatriotes haïtiens frères sœurs n'avancez dans jour qui soit passé là yo te gon véritable débat côté que Wyclef Jean li décidé pour le porter tête li comme instigateur comme médiateur yon dialogue entre gouvernement entre l'état avec les exam yo parce que Wyclef dit lui-même li pas d'accord pour Haïti continuer comme ça pour moun continuer à victime tomber en babal tout ça faut gon dialogue faut gon bagay ki fait faut gon bagay ki dit donc Wyclef te gen pour venir en Haïti après un petit temps et voyage reporté tout ça. Eh bien, après un pile temps silence, Kenya vini 25 juin, premier troupe yo atterri, nous pas tande gifile. Eh bien, dossier dialogue Wyclef Jean initié, eh bien, c'est peut-être ça qui pral fè Guy Philippe sorti dans silence li pour réagir. Comment Guy Philippe concevoir démarche Wyclef Jean?
Est-ce que pour Guy Philippe, c'est une très bonne démarche? Qui ça qui t'a supposé faire au préalable? Compatriote Haïtien Frère, je nous attendons intervention Guy Philippe, qui lui-même, il t'a baillé et brièvement position pali dans le dossier dialogue, dans la démarche et dialogue que Wyclef lui-même l'initia. En noir. Nous en ligne, le sénateur Guy Philippe, sans parler à la, la place en vous. Sénateur Guy Philippe, comment nous y est? Sénateur. Informé ou même. N'a pas qu'un bé. Où est causé qu'a parlé là? Bon, moi causé, m'entendez. Vous voulez ajouter un mot dans la matin? Bon, moi-même, ça me dit que dit, et avant pour nous arriver dans le dialogue, faut qu'il y ait justice, faut qu'il y ait vérité. Faut qu'il y ait vérité à bail. Faut que nous connaissions comment faire vivre ça. Faut que nous connaissions qui était bail l'autre tué président Jovenel, par exemple. Faut que nous connaissions quoi Beto Caribé au fait. Qui est-ce qui vole? Faut que nous connaissions, faut que vérité a dit qui est-ce qui vole comme CIRH là. Qui est-ce qui vole comme tremblement après tremblement là. Qui est-ce qui vole comme coopérative? Qui est-ce qui vole comme vendre toute usine payée à perte? Quelle est la minoterie, cimenterie? C'est pour aller en cause, dans la racine problème, non. Pour nous avoir une solution. Leur fin qu'on vérité, il faut que justice serve, il faut que nous disions, ok, mais ça la justice dit. Parce qu'il y a un pile de monde qui est victime. Il y a des gens qui perdent du petit, qui perdent du madame, qui perdent du caille, qui déplacent, qui vivent. Mais pour faire le tout, il faut que vous fassiez confiance. Il faut que c'est des gens qui vous fassent confiance. Ou pas qu'il y ait un pile de décision ça. Un pile dans l'assassin président Jovenel, là, dans le gouvernement. Hein? Ou pas qu'il y ait un pendant qu'on parle là, en pile là qui vole les copes Bego Caribe, comme c'est hier, si on a gouvernement, si on a pris une décision, quand est confiance là, quand est confiance là, donc c'est l'offre de faire vérité, ou de faire justice, ou de mettre tout le monde qui est victime, pour l'État dédommager, mon sang, comment on a dédommagé, est-ce que c'est son bagage, on va faire un seuil de prêt, il faut que l'État dit à mon qui est victime, on va le justice fin servie, là, l'offre de tendre et toute vérité, pour comprendre côté problème, oui. Justice fin de vie, dit, mais qui ça a condamné? Mais le ça, ou parler de pardon, ou pardonner Mounio, ou bien amnistie, et après, pour qu'on faire réconciliation nationale là. Mais comment on va faire réconciliation nationale si justice n'est pas faite? Faut que si justice. Si victime n'est pas sortie, faut justice faite, faut que dialogue. C'est ça qui fait amnistie, nous-mêmes, dans le plan amnistie, nous avons quatre étapes. Première, c'est vérité. Faut que le peuple a compte vérité. Là. Oui, faut que le peuple a compte vérité. Là. Faut qu'on comprenne le problème. Quand il y a des jeunes âmes, qui est-ce qui bat les âmes? Quand les munitions sortent? Qui j'en fais? Pourquoi ça a été mon kidnappé? Pourquoi ça a été mon touillé? Qui est-ce qui dit, par exemple, monter Pétionville là pour rentrer caille par caille? Qui est-ce qui dit, par exemple, rentrer Gressier, le bras de votre bagage dans l'ONU? Qui est-ce qui va l'ordre ça? Quand est l'ordre ça? Grand planteur. Pour nous comprendre et cerner le problème. Nan. Le monde qui vole comme pays, qui est ministre, qui est directeur général, qui est président, qui est volé. Moun ki dans le secteur privé pas veut payer taxes, qui pas veut payer douane, qui pas veut payer ça au droit de l'État, qui cause que nous pas gagne l'école, qui cause que nous pas gagne l'université, qui cause que jeune garçon avec jeune femme, gagne zam nan mais aujourd'hui dans ghetto yo parce que l'État fait merger sur yo. Mais faut que nous connaissons problème ça, faut que nous comprenions, faut que justice servie, faut que condamné, faut que puni moun qui fait payer mal. Donc et même pour nous pas arrêter non dialogue seulement. Non, nous ne pouvons pas pardonner, nous ne pouvons pas pardonner ce que nous pas assurer que ça va jamais faire encore. Il faut que nous assurions que ça va jamais faire encore parce que l'État, mais faut que l'État ait confiance. Il faut que nous ne parlions pas avec. Faut que nous soyons honnêtes, faut capable. Avec l'autre monde dans l'État qui vole. Faut que nous n'allions même les parler, tout le monde fait confiance. Oui. On va capable c'est où que magouille, c'est où que t'as volé, c'est où que t'as crasé. Et puis je dis en propos du dialogue. Faut que dialogue la fête. Mais faut que l'y fête dans le sens pour justice faite, pour vérité. Découvrir pour pardon et pour réconciliation nationale là vient de nos réalités parce que faut qu'on entende nous dans le pays pour nous avancer. Alors nous on avec Atos, ça c'est lui qui a fait Atos après réagir avec tout petit sénateur en pile l'homme vous men ou qu'on bagaille so et me pense même sénateur Guy Philippe n'a pas même sénateur a abordé ce même sens là et avec moi et logiquement dialogue là qui ça à qui ça va aboutir à justice là vous comprenez ça là et me te dit nous ça dernièrement là. Et si nous besoin éradiquer, je dis le talon là, si nous besoin éradiquer problème dans tout, il faut que nous dans sous là. Ok? Parce que, je ne sais pas si dans la dernière émission que je fait là, je dis que si tout le temps, il y a une injustice sociale, pas besoin de la peine dans le pays. Ok? Le fait que je ne suis pas de paix, pas oublier que je suis dans un département qui est plus marginalisé dans le pays. Vous comprenez ça? Je ne suis pas de paix, ça veut dire rien pas garanti pour moi. Pour on est sorti pas de paix pour venir au Benstel fort gon paquet et forfait pour venir à Trois gon paquet et forfait faut goumer en pile. OK, ça veut dire logiquement c'est comme si côté me fait là me déjà condamné. Si me fait ka fort pour me condamner me fait cité soleil me condamné. Qui ça fait ça tout simplement parce que gon groupe monde en minorité 8
qui estime que faut que fait beuyo sous moi-même sous Ruben sous même Vladimir Désir. Vous comprenez ça me là? Son gros problème. Alors là là sénateur Guy Philippe, démarche là depuis au départ pour même les biaisés de qualité moun yo même. C'est pas même dialogue là pour aller plus loin au-delà du dialogue là, même moun yo tout faut que qualifier pour ça. Ou clair sur ça matin. Faut que moun kap inspirer confiance. Faut que monsieur Gnezami fait confiance. Faut comment ou dit nèg la dialogue. Kou nya so gen nan mon pou ofri nèg la la. So pral ofri pou disposer zamien pou le bon zamien. C'est pas faut confiance. Moun yo a parlé son série de bagay moral race non. Bagay yo faut que nous poser problème yo, jan nous supposé poser yo pour une joine solution pour pays ak pa kap souffrir encore. Mais là moun ki en face kap négocier. Regardez pour eux, dans le gouvernement qui là, dans le monde qui est dans le gouvernement qui a pris des décisions au pays. 10 millions qui n'ont pas impliqué dans le problème de corruption dans le pays. 10 millions qui n'ont pas là, ils ont voté pour écraser tout ça, toute minoterie, cimenterie, Téléco, coopérative, CIRH, et Petro-Caribe. 10 millions, combien là-dedans, ils n'ont pas dans le débat, dans le vagabondage. Donc vous pensez que les gens viennent chercher une vraie solution pour le problème? Tout le monde connaît le rôle des États-Unis d'Amérique fait. Et gain pour le jouer dans la misère des Haïtiens depuis 1994. Depuis le, yon crasé structure sécurité pays. Justement, vous avez vassalisé pays, vous avez mis pied au sous coup pays. Alors, pensez que le gouvernement, Jodia là, côté un gouvernement américain, cap non monnaie, premier ministre, par un tweet, côté un gouvernement cap mettre un conseil illégal dans tête de pays, cap position pour pays, vous pensez que nous cap vivre vraiment vrai à la solution, si c'était une solution américaine? On va pas aucune solution américaine de crise là, cap bon pour les Haïtiens. Voilà, compatriote Aïssé Fréchem, ça c'est position et Guy Philippe sous question dialogue que Wyclef Jean lui-même l'a initié. Donc, dialogue, qui est-ce qui pral fait dialogue là? Est-ce que même acteurs Zayo qui contribuaient dans mettre pays en côté lié à là, même acteurs Zayo qui t'écrasé la reconstruction pays, nous voyons Guy Philippe, il allait loin, il remontait CIRH, il remontait Petro-Caribe, il remontait coopérative. Donc, pour Guy Philippe, inévitablement, même les gens qui causent malheur nous dans le pays, yo pas qu'à faire partie de la solution. Et encore moins, je ne dis pas, ce n'est pas eux-mêmes qui sont mieux placés pour venir dialoguer avec les gens, pour venir dialoguer avec les bandits. Donc Guy Philippe Dou, c'est comme si Guy Philippe Dou, tout carrément, l'autre va faire dialogue sans que les bandits n'ont pas de vérité préalable, n'ont pas dit qui est-ce qui t'a, pour qui est-ce que tu as travaillé. Qui est-ce qui t'a embauché ou qui est-ce qui mette ou? C'est comme si Josie ou font un deal avec nègre ou casse feuille couvrir ça. Non, Guy Philippe dou formule ça pas marcher, formule ça pas appliquer. Faut que nègre dit préalablement, mais pour qui est-ce que t'as travaillé, mais qui est-ce qui t'a fourni au matériel, qui est-ce qui t'a financé yo? Par la suite qu'on y a qu'a un dialogue, commission de vérité tout ça, dialogue amnistie. Mais ti parti amnistie hein, nous-même nous connaît déjà. Donc on est déjà et point de vue sur question amnistie moi-même, m'pas besoin de retourner sous lui, mais préalablement Guy Philippe dou pas qu'un dialogue sans que nèg yo pa bay vérité sur ça qui t'est passé yo. Et là, l'âme claire avec elle, d'accord. Parce que pour OK, on va faire dialogue. Si n'a dialogue, go objectif. Objectif dialogue là, c'est peut-être bandi yo soit l'état mandé ou déposer ça ou bien bandi yo mandé l'état, yo fait l'état des exigences tout ça etc. Mais est-ce que là dans le bral gagné faut nous dit ou qui est-ce qui t'a fait ceci, qui est-ce qui t'a fait cela, lorsque c'est même politicien ou par exemple c'est même oligarque corrompu qui finançait, c'est même oligarque corrompu qui mettait moyen à la disposition bandi yo, c'est la ca États-Unis, c'est dans pays États-Unis zam ak munition sorti tout ça. Donc est-ce que moun sa yo qui dans l'état yo mieux placé pour yo faire dialogue là, est-ce que yo mieux placé pour yo faire chita parler véritablement avec bandi yo, est-ce que moment c'est moment chita parler avec bandi lié tout? C'est autant de questions qu'a toujours posé tête ou. Bien, compatriote Aïssé Fréchem, n'avancez pas gè campé. Nous gagnons là et Annie Alert, nous gagnons Widlin, yo même yo décidé yo pral continuer faire travail paysan, mener bataille paysan dans grand sud là. Yo débarqué au Caille et véritablement mesdames yo pas suspendre et paté yo pas suspendre. Étonné pays. Gen en pile réaction, gen en pile contentement par bon côté. Moun kap gade ki renmen, jesa ki renmen dévouement sa, ki gen par bon côté. Et mesdames, yo pou yo continue mene bataille pays. An nou a suivi ensemble avec ki jan situation li même li tap déroulé et sou plage gelée à côté que et Widlin, Annie Alert, yo décide mette moun au caillou de yo
pour venir continuer engagement yo pour venir mettre et meilleur dans patlan pour yo et pour yo clean plage là et c'est une très belle initiative qui prend dans ce ça on va regarder comment et qui message Widlin Pierre lui-même il t'a gagné et comment activité en lui-même il t'a déroulé en allez ça c'est Anialet qui dans la mer et Anialet décrété que il va prendre un petit classe par sur plage là avant de quitter le département sud là. Nous lever avec un sentiment d'orgueil, de fierté. Nous sommes de travail pour le pays, nous travaille pour la caille. Dorénavant, nous décidons de tout côté dans le pays, tout côté qui a un patriote conséquent, tout côté qui a un monde qui remet Haïti, qui veut mettre main, pour nous faire travail ensemble, pour sentir l'homme rivé là, pour sentir rivé la caille. Même ça, qui peut comprendre, parce que quand nous avons posé un pile question, parce que nous n'avons pas ça souvent, et solidarité. Citoyenne ça engagement citoyen ça nous gagne longtemps mon parole mais qu'on bagaille qui réveille la caille nous à partir de mouvement canal là haïtien commence à comprendre que ensemble nous ca faire pile bagaille et Haïti yo comprendre tout que Haïti c'est nous mêmes c'est seul haïtien qui a sauvé Haïti. C'est nous qui connaissons qui salvo pour nous, qui salie pour nous. Bien entendu, il y a plein de monde qui connaît salvo, c'est ça fait. Il a mis nous dehors, là-dedans, il a créé toutes conditions pour nous faire nous quitter. Et bien, pour nous, je nous clair, nous tous haïtiens, ensemble, nous dit Haïti, pas péri. Nous dit Haïti, pour les gens qui ne peuvent pas l'étendre, Annie, dis-moi, nous critiquer pour lui, sous ça. Ma répété, Annie, pour me dire, Haïti, c'est un paradis. C'est un paradis, on voulait faire tourner en enfer pour pousser de nous tout dehors. Alors, un pays qui pas bon comme ça, pour monter avion, tout avion chargé, blab, vini. Tout est sorti, tout côté à venir Haïti. Alors, pendant ce temps, il y a 20 lits, comment l'enfer, et puis il y a ouvri porte tout. Il y a ouvri porte oui, il y a ouvri porte pour yo recevoir nous, pour yo faire nous quitter nous. Nous, haïtiens, faut pour tourner, venez investir dans le pays nous. Là, quand tu es gelé, pour nous ta canne pas plus belle que gelé, pour elle ton plata pas plus belle que gelé, l'osmitias pas plus belle que gelé. Pour ça, moi, ouais, dans la côte sud, dans la. Moi, je vais dans le resort pour nous ta canne. Je marche sous sable, je vais le sable, je vais là-dedans. Je dis, c'est fini, je vais avec sable. Alors, même nous-mêmes, la nature fait donc. Bravo monsieur. Comme dis-nous, nous avons travaillé avec un engouement là. Si c'était un ONG qui était venu, qui était baillé mairie, il y a un corps pour faire travail là, il n'y a pas de fait comme ça. Qu'on a ce sentiment fierté, sentiment haïtien. C'est cœur haïtien qui a mis notre travail là. Alors, je suis bien content de commencer à comprendre ONG pas venu résoudre le problème. Parce que si le problème résout, il n'y a pas de raison pour marcher pour l'argent pour venir investir. En Haïti, alors leur vie avec l'argent ça, puis il faut l'argent retourner avec, puis il faut passer dans la logistique. Haïtien, nous comprenons. Si c'était un petit cop, disons 1250 gouttes de tabac matin là, monsieur, dame, il va travailler comme ça. Moi, matin là, madame qui là, il dit, jeudi, représenté pour eux, ils sont machin liés. Ils quittent marché, ils viennent. C'est dans le travail là, le travail là, Kali. C'est dans Haïti, c'est dans le combat, dans la solidarité, dans la tête ensemble que nous avons retiré Haïti salé. C'est ça qui fait qu'on est ouais. Nous à l'aise pour ça, le nord rencontré avec le sud, le tout canal là, le sud d'Aljouen nous, qu'on est à nous venons dans le sud et le sud, qui pour retourner dans nos va-et-vient, il faut continuer. Il faut pour être connecté, sud à nord. Même Jean, il y a maintenant quand j'ai ras l'autre jour, côté des Salines, tu as décidé de sauter dans le nord pour te venir rencontrer avec Petio, avec Jeffra, quand Jeffra, pour te définir stratégie, pour te faire alliance entre eux, pour te libérer Haïti. Et bien, je me sens en 2024, c'est même ça qu'a répété là. Le nord a rencontré avec le sud pour nous libérer Haïti. Madame Edine, en fait, je vous remercie, je vous félicite bien pour votre fait à tout. Et est-ce que l'initiative, je dis, c'est seulement qu'on a passé avec Annie à l'aide quand au Kaila la fête, ou bien un groupe qui déjà pris l'initiative là même pour continuer à faire? Oui, bon, nous t'a demandé ça, yo dit nous gien ça déjà, yo dit nous gon comité qui déjà là sous place parce que aujourd'hui on a fait opération coup de poing pour nous sensibiliser, pour nous motiver moun yo. Mais faut que travail là continuer parce que la mer pour déchets plastiques ça que n'a consommé malheureusement dans pays là, nous la gè n'importe où yo vinn dans la mer toujours retourner yo ba nous. Ça veut dire son travail continue qui pour faire. Nous pas doit camper, faut que gelé rete propre, faut que nous ka vendre gelé, faut que nous ka faire cob avec gelé. OK. Merci beaucoup. Merci. Si t'as, c'est mettre un mot d'espoir
pour Kay ou bien pour Haïti tout entier, qui ça l'a bien. Bon, nous dit à canal, nous te commencé canal Wana maintenant. Nous t'a perdu son canal d'irrigation qui mène un canal l'espoir dans le cœur, dans l'esprit, dans l'homme peuple haïtien. Pour la majorité haïtien, grande partie de la 95%, tout haïtien vient croire dans le pays. Parce que longtemps depuis que nous parlons haïtien, tout ça qui mal c'est haïtien. Parce que nous faisons répéter les nouvelles. Tout ça qui mal c'est haïtien. Haïtien pas qu'à faire rien ensemble. Haïtien sont cas à vieux caché à deux pour séparer. C'est qu'on y a nous, haïtien, c'est pas ça. Haïtien, c'est solidarité. Haïtien, c'est combine. Haïtien, c'est être ensemble. Haïtien, c'est yon aider l'autre. Haïtien, c'est coller les épaules. Parce que depuis la Guinée, si nèg de toujours qu'on aide l'autre. Yo fait nous comprendre depuis la Guinée, si nèg de trahi nèg. Non, depuis la Guinée, si nèg de qu'on aide nèg. Depuis la Guinée, si nèg de qu'on a boumé avec nèg. Les esclavagistes, ça marche chercher en Afrique. Oui, t'as gagné des traites parmi nous. Mais gan pile esclave, gan pile africain, en pile de ancêtres nous te goumen pour te protéger l'autre pour pas te mener nous dans esclavage sous sol qui vient soldat haïtien en colère. C'est pas depuis la Guinée nous te trahi l'autre, depuis la Guinée nous te connait de l'autre et n'a continuer aider l'autre. Et c'est ça yo pas vle. Ou ça qu'a fait là, li ba en pile que sauter. Ça qu'a fait là fait peur parce que connait là nous mettait tête en nous ensemble nous même haïtien qui ça nous qu'a fait. Est-ce que nous avons espéré que ouais, Mme Moudine avait gagné avec nous aussi encore ou bien... Mais c'est... bien sûr, nous avons tous son va-et-vient pour le faire. Nous avons souvent dans le sud. Des fois, nous avons pour compte parce que nous connaissons Annie pas habité en Haïti. Parce que moi, je me suis senti. Nous avons cherché connectivité, nous avons cherché lien. Nous jouons tout naturellement depuis que pile terre. Nous me sentons là quand même. Ok, merci beaucoup, mon gars. Merci. Voilà. Compatriotes haïtiens, frères chums, c'est comme ça. C'est dans l'ambiance ça. C'est dans la convivialité, dans l'amour, dans le sentiment et de citoyenneté ça que le travail a fait en Angelé sous plage. Et franchement, je regrette mettre là. Parce que non, vraiment, je remets ça. Mais dernier passage maintenant sur le ça nous te prend et dans Matissa, ça nous te prend. Il n'y a pas de cocon ça, non, à l'époque. Mais ça nous te prend dans Matissa avec les gars de Zamyo. M'a dit jamais parce que pas gen moun ki ka ban bout terrain dans pays mais franchement ba ils a te ki ton gwa mer très amer et compatriotes haïtiens frères m'en avancé nous gagnons ministre affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuis qui pote yon vent l'espoir qui pote yon vent changement dans diplomatie haïtienne nan gagne grande ligne que li décide de partager grande ligne travail li ligne directrice bataille la mené dans ministère là pour relancer image diplomatie haïtienne non li décide de partager la pays bataille la mené contre corruption dans diplomatie hein la continuer avec démarche en dépit de tout ça en dépit de tout ça yo ka reprocher accusation yo ka mettre sous dolier etc etc mais li même li dit pas gè camper c'est tête frais de bataille la continuer donc dans ce ça on va suivre ensemble avec qui Jean interview en lui-même li t'a fait avec ministre Dominique Dupuis que la diplomatie haïtienne est malade. Je vais dire moribond, non, je dis est malade. Si c'est vrai, en tant que nouvelle ministre qui veut ou qui souhaite inoculer du sang neuf dans la diplomatie, quelles sont les mesures à prendre pour la réformer ou encore la remodeler? La première chose, Wendell, c'est que faut nous décider que nous avons une diplomatie qui est au service de pays. Pas seulement un pays qui est au service de diplomatie. Pour l'instant, le constat PAM, c'est que diplomatie a constitué un investissement majeur pour l'État haïtien. C'est un secteur énormément budgétivore. Et il faut essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Faut que, si je dis, allons dire, on nous dit que, et on investit dans la police pour gagner sécurité. Trouver plus sécurité, nous parlons de lit tous les jours, il faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous parlons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, vous avez investi plus dans lit parce qu'il y a plus de monde qui a rejoint lit. Qui ça ou doit légitimement, la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie. Ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats.
C'est-à-dire que, maman, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, je dis, hein, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défendez ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lance une agression contre vous. OK? Si vous pensez à la diplomatie État Palestine, tout orchestré pour que vous dénonciez un cas qui a privé vous. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénonciez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel a exercé le droit présidentiel pour nommer des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de l'agenda transition, qui sont agenda très critique pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies, de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons garder qui profil que nous allons mettre dans le poste ça, et qui feuille de route que nous allons mettre pour servir transition, et donc cinq chantiers, cinq piliers, et transition ça, et servir peuple haïtien dans l'état de crise humanitaire lié, dans l'état de déplacement interne que lié, tout besoin que la communauté internationale là doit à l'écoute de yo, que diplomatie en doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin yo véhiculer, mais aussi tout nous connaît que diplomatie, je suis la première à le savoir, doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grand, ce qui nous rend digne et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, je pense que, ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin d'un chef d'orchestre qui a permettre chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle, à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, ou parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonfler post-diplomatique yo, et là nous gonfler yo, nous pas permettre moun ki la yo gen zouti pour que yo ka travay. Et donc nous même nous mettez bâton dans propre ou non. Donc faut nous créer des conditions qui permettent diplomate yo non seulement dans critères sélection de compétences yo, de disponibilité yo à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour que qu'ils exécutent le travail nous demandons. Madame la ministre, nous avons plus de 80 diplomates qui rappelaient ça pas représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût. Et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous annoncez, m'a rappelé que pour aucun mois et dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous annoncez. Par exemple, mesures audit là. Comment au niveau de la cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment il y a accueilli, comment la cour a accueilli décision ça. Selon la correspondance que moi se vois, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé, et ça m'a été connu informellement, mais ça a été fait formellement aussi, que y a des audits pour l'année préalable qui est en cours, que ont demandé aux facilités parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents qui ont été besoin d'un audit qui ont été déjà gagné, enquête qui était déjà l'ouvrie. Et donc, ils ont demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui est la période administration précédente, là, mais pour nous aider à collaborer sous période que ont déjà couvrie. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernement, ça, qui c'est la lutte contre la corruption. Tu es retourné encore sur l'appel. Pas gagné un appel qui est politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière
il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça, au niveau de l'opinion, il est capable d'interpréter différemment. Quelqu'un qui a dit que ah, Daminus quoi rentrer là, il est là, il vient de faire un sérieux et avec une série de mesures ça que il prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça et est-ce qu'on parie pour faire face à l'itout? Je suis prête. Avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions et objectif qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avançons objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure, on parlait de réformes. Il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité de la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui voulait intégrer la diplomatie en Konya, pas sûr que le connaît comment. Pas sûr que le pensée est accessible. Alors, nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie diplomatie. Hein? Et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous n'avons pas dit seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui ont passé dans l'académie. Hein. C'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Hein. Donc, décentraliser le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer par dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui est Port-au-Prince l'entour, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer qu'il y ait des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrent. Là, on finit faire l'académie diplomatie, hein, où on certaines. Et garantie selon compétence, selon performance, pour intégrer diplomatie. Hein. Parce que le, et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nomination politique, Kabzo ça, mais le, population a gagné l'impression que c'est seulement moun pa qui garantit dans diplomatie, hein, ou perd du foi dans diplomatie. Hein. C'est-à-dire que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des moun qui rentrent par concours, moun qui travaillent dû pour y rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce que il y a une place pour un monde qui est agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour un monde qui voulait conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. OK, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que vous marquez passage au niveau de l'UNESCO. Qui sont besoin qu'on est là pour réussir, pas qu'à dire même gens, mais à peu près, dans le ministère des Affaires étrangères, et même laisser empreinte, même gens, nous avons parlé de ça, pour l'UNESCO. Qui sont besoin? Je pense que on commençait avec de bons outils, non même. C'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour y au service de pays à un moment j'en tape dit là qui est très critique. Au moment côté nous pas rien droit à l'erreur et côté que nous avons petite fenêtre très petite fenêtre nous wali dans d'autres aspects côté que Jean Premier ministre l'a dit là population attentif population en non et optimisme mais en optimisme et mesuré. Fragile, mesuré. Ouais. C'est-à-dire que l'abgardé est précautionneux. L'abgardé, qui ça nous va le faire avec opportunité, ça, que Libanon, pour nous prouver que l'accord politique, ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc, moi, je vois une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite, mais en même temps, tout le regarder et calendrier, transition, ça, si nous prenons 3 mois avant nous faire action, nous déjà perdu trop de temps, la population obtient des résultats rapidement. Et donc, on m'a dit, qui ça m'a fait pour me sentir que je réussis? Ça m'a fait, c'est quitter en diplomatie qui, j'aime ta dire là, au service du pays. Parce que les contribuables haïtiens, bon an, mal an, payent les diplomates. Ils payent les diplomates
alors que la République a acheté devises pour le payer. Et donc, diplomatie, ça, que nous-mêmes, comme contribuables, nous avons payé pour l'IA, faut qu'il y ait des résultats que nous sentons qui sont tangibles sous bien-être population. Donc, le Conseil présidentiel n'a pas dérangé. Mesure, ça, on comprend, il n'est pas dérangé. Conseil présidentiel là, je pense que le Conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'y nommer de nouveaux ambassadeurs. Et donc, et je n'oserais pas dire qu'il y a dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour nomination de nouveaux ambassadeurs, de nouveaux consuls généraux pour remplacer ça qui rappelait? C'est un processus qui peut aller vite, tout comme il peut prendre le temps qu'il faut, parce que dans tous les sens, décision n'est pas la même. Moi-même, j'ai contribué à l'I à travers fourni tout profil qui était cas stratégique pour les postes les plus importants pour le dispositif diplomatique haïtien. Mais ce sera à la discrétion du Conseil présidentiel de mener le tempo. Et moi, je serai au service du chef de gouvernement et du Conseil présidentiel dans cette procédure. Président Jovenel Moïse, tu as accepté les lettres de créance de l'ambassadeur de Russie en Haïti. Est-ce que vous pouvez continuer avec relation ça ou même? Je suis pas en mesure pour me répondre tout de suite. Concernant la Chine et Taïwan, vous avez une idée de qui politique que nous allons mener? Alors, ça, il est trop tôt pour nous d'engager sur ce sujet, parce que nous avons prévoir un segment côté que nous avons exploré avec nous plus les grandes lignes de la politique étrangère qui pourra le déployer. Et nous prévoit tout pour que nous fournions à tout poste diplomatique quelque chose qui n'existait pas jusque-là, qui c'est ça nous relie le narratif de la transition qui sera élaboré avec les autorités compétentes, côté que tout diplomate, particulièrement les chefs de mission, peuvent avoir accès à ces éléments de langage et les lignes directrices que nous défendons nous-mêmes. Avec... Bon, on nous fait un petit copé là, compatriotes haïtiens frères, parce que nous voulons nous comprendre, nous voulons, même le ministre et Dominique Dupuy, il est vraiment explicite dans la réponse là-bas. Mais pas oublier ces diplomates liés, ces diplomaties qu'a fait là, ok? Et donc, il est extrêmement important pour me souligner et dernière réponse que l'Ibaï, sous question qui vient pour avec les créances Fédération Russe en Haïti, et également façon d'y aborder relations Chine-Taïwan et Haïti. Et si nous remarquons le direct, il y a un peu direct sous réponse Libaye, leur mandel, est-ce que la continue relation diplomatique avec Fédération Russie? L'hypoko ka répondre sous ça, mais li beaucoup plus flexible sous réponse Libaye sous Chine-Taïwan, parce que Chine-Taïwan dans lui-même, et relations diplomatiques, c'est beaucoup plus concrète. Et déjà, il y a des suivis, il y a des chita parler qui fait avec Fédération, avec ambassadeur Chine-Taïwan, déjà, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, que ce soit avec lui-même personnellement comme ministre des Affaires étrangères. Alors, qui est différent avec ambassadeur Fédération Russie en Haïti. Donc, ça, son dossier sensible. Kouri ba en réponse directe que ou pral continuer et kembe relation diplomatique avec Fédération Russie, avec la Russie, ça ou pas ka répondre, li pas ka répondre directement sans que préalablement pas une réponse qui baille soit au niveau et primature ou bien au niveau le Conseil présidentiel transition. Et si nous te remarquez bien, même ministre encore te dou, si yo ta di a quitté 3 mois passé par exemple dans transition dans délai ou gen devant yo pour yo bay population service, c'est un paquet de temps yo fait yo gaspiller et répondre que le poko ka bay li poko ka di etc poko kon sa ka fait ça yo prévoit etc, ça c'est montrer bon incertitude par rapport avec relation diplomatique Haïti avec la Russie. Là, nous clair sur ça. Là, nous sentis ces politiques américaines n'a pas mené et c'est dans façon États-Unis, la diplomatie haïtienne n'a pas aller. Est-ce que nous comprenons? Bien, si mon ligue, mon comprenne, n'avance. Qui lunette pour regarder relation Haïti et la République dominicaine aujourd'hui? Je pense que ce qui est clair, c'est que nous sommes appelés à cohabiter sur cette île que nous partageons. Correct. Qu'il est nécessaire que nous engagions toute conversation, tout échange, comme je disais tout à l'heure, avec la certitude que nous sommes des égaux, que nous pouvons nous regarder Dieu dans les yeux, pas qu'il y a un qui est plus bon que l'autre, il y a besoin de l'autre, il doit vivre avec l'autre.
Et moi, j'étais très content de rencontrer homologue moi dans Paraguay, qui c'est ministre Alvarez, pour nous faire un premier échange initial, mais autour de vérité et autour de climat apaisé et surtout sincère. Notre invitée, la ministre des Affaires étrangères et des cultes, c'est aussi la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça fait un pile responsabilité. Responsabilité pas être en pile, mais pas lourde, madame la ministre. C'est pour le moment que j'ai entendu depuis 3 semaines et demie. Hein. Mm-hmm. Mais nous capables, parce que je ne suis pas pour compte moi. Et je suis bon encadrement. Et le premier ministre, là, vraiment, ben, tout support que j'ai besoin en termes d'orientation sur je n'ouvre les mains ministère ça y est. Je suis des cadres dans le ministère là, qui, dans des conditions très difficiles, loin d'elle, quand même continuer l'engagement pour le travail, pour le pays. Yo. Et saluer ça, parce que je suis conscient, après presque 4 ans dehors, de dégradation des conditions de vie dans la capitale. Là. Et c'est visible, c'est palpable dans le ministère. Yo. Conditions et environnement très difficiles, stress là, difficile, et capacité technique yo, pas nécessairement disponible. Mm-hmm. Donc, pression en pile, mais encore une fois, il y a un sentiment d'engagement, un élan que moi senti. Et que nous voulons non seulement cultiver, mais que nous voulons honorer. Parce que si nous ratons l'occasion, ça nous décrédibiliser et nous rendons plus difficile, ça va venir après. Alors, quelle question pour l'aspect culte, là, aspect haïtien vivant à l'étranger, que nous avons les diasporas. Mais avant, madame la ministre, il y a un peu de monde avisé, même, si vous voulez, qui pose cette question, à savoir. Pour qui ça et ministre Lan, Madame Dupuis, quitter le prestige, le confort d'un poste à l'ONU pour venir accepter un poste de ministre dans une situation désastreuse que tout le monde connaît. Hein? Là, on va parler de politique en Haïti, puisque en Haïti, nous avons des gens qui font politique, pas gagner avec marché. Ils ont pas veillé tout ce faux pas, tout ce erreur pour calomnier. D'abord, pour qu'ils soient quittés pour ça, pour venir faire expérience ça. Deuxièmement, est-ce que le moral est au beau fixe pour faire face à de telles choses? Nous sommes aujourd'hui fait une première tentative pour devenir conseillère, président. Et rapidement, tu as levé le bouclier qui est fait derrière, où tu es obligé de battre en retraite, by vague. Et puis... Dis-nous. Alors, je m'en ai indulgence pour patient parce que je voulais bien répondre aux questions ça et en toute franchise. Et j'étais très confortable, effectivement, et Paris, dans un bel bureau, côté de la vue sur la Tour Eiffel. Mais il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi ni pour me kembel, ni pour me rester. J'étais en mission. Et avant même que j'ai proposé mon poste ça, le conseil présidentiel l'a été installé, moi-même j'ai commencé à faire mal avec moi. Parce que j'aime dire là, et appréciation PAM, c'est que j'étais à nouveau à la discrétion du conseil présidentiel là pour le décider si m'a arrêté, si l'a renouvelé ou prolongé et madame au sein de et accréditation au sein de l'organisation ça, ou bien si l'a envoyé mon autre côté, ou bien si m'a rappelé. Et donc, ça n'a rien à voir avec la lettre de blâme que vous avez reçue? Du tout. Du tout. Et parce que dans tous les sens, on était dans un nouveau schéma politique. Le map palo de ma lettre que me fait, nous, notre schéma politique, côté conseil présidentiel l'a installé, et côté que, au nouveau gouvernement, pour prendre fonction. Donc, mon appréciation, c'est que la diplomatie n'est pas là pour s'ancrer. Le diplomate est un diplomate en mission, comme un soldat. Il n'est pas là pour s'ancrer dans son poste, il est là pour servir le temps que l'État et les autorités compétentes estiment que le doit au service dans le lieu dit. Donc moi-même, je ne connais pas que la proposition ça pour Alvini. Comme dit Oli au début, je suis très honorée que le Premier ministre fait appel à moi et pour me faire partie de 4 ministères régaliens et surtout de 4 personnalités neutres qui rejoignent le gouvernement sans et appui de partis politiques. Et je pensais que c'était une opportunité importante pour moi, pour montrer que même élan, tu as parlé de lui, élan qui t'a fait me dire oui pour me venir diplomate, pour me venir ambassadeur, c'était un élan d'un désir viscéral d'être au service de mon pays.
Et l'un qui fait me dire oui, Léo, proposer me CPT, hein, c'est même désir de service ça. Je vais raconter une petite anecdote de un monde que me relais, qui d'ailleurs pas loin de secteur bas, qui l'homme dit, j'ai très peu de temps pour me décider si m'a pas accepté oui ou non pour conseil présidentiel là. Et donc me fait un appel stratégique d'un monde que me connaît qui a vu d'ensemble sous et diplomatie, sur situation politique là, excusez-moi. Il me dit, voilà une proposition que vous faites, qui soit pensée, me parle un peu le temps, rapidement, qui soit pensée. Il dit, entre qui ça va hésiter? Hésiter entre RT, représenter le pays, hein, et UNESCO, et puis au jeune CPT. Hein? Mais il me dit, si elle lance ça pas réussi, qui pays vous va le représenter? Donc, là, il dit, ça me gêne cher de poule. Il dit, il faut faire tout le bagaille pour élan ça a réussi, pour que nous avons un pays pour nous représenter, un pays que nous sommes fiers de lui. Mm-hmm. Et donc, dans ce sens, l'homme t'a accepté de rejoindre le CPT, moi remercier la structure politique qui t'a fait choix de moi, et m'a dit, l'homme à l'école, qui t'a fait choix de moi comme une personnalité qui n'a pas appartenu à un parti politique, mais qui t'a ouais, dans moi, une femme, un jeune, qui t'a qu'à contribuer dans la structure, ça, m'a content de faire. Les conditions n'ont pas réuni pour me faire, et l'article 135 évoqué. Tout à l'école, tout ça. Moi, je fais un retrait, mais un retrait pas un retrait sur le pays, un retrait un retrait sur et structure ça. Et donc, le pays me fait appel à moi, pas en l'autre voix. Moi, je dis oui tout. Parce que pour moi, il y a des questions, Wendell, qui ne sont pas des questions politiques. Ce sont des questions d'État, ce sont des questions de survie de l'État et surtout de service à la population haïtienne. Et le Premier ministre l'a dit l'autre jour, avec beaucoup d'émotion que je partage, c'est un pays qui bat nous toute bagaille. Tout ça m'yé aujourd'hui, c'est le pays d'Haïti qui bam li. Donc, qui est-ce que tu as pour le pays d'Haïti besoin, m'estimer m'y trop bien ou bien trop risqué pour ne pas venir répondre oui à l'appel. Donc, chaque fois que le pays m'a besoin, côté l'a besoin, jusqu'à mon dernier souffle, m'a dit oui. Parce que c'est ça maman m'apprend moi, c'est ça papa m'apprend moi, et c'est ça m'a pas prendre petit moi. Et l'homme dit oui, hein, Wendell, c'est pas parce que me sous-estimer menace là. Mais c'est parce que mon petite fille 5 ans que me voulait qu'il ca vive dans pays ça. Me refuser l'idée que me ta ca contribuer à un pays qui pi bon, qui pi jam et puis me dit non merci et puis petite moi pas hériter non place dans société ça tant que tout l'autre petit monde aujourd'hui qui méritait une place dans société. Donc chaque monde qui rôle pour rejoindre une partition. Mais ça vient avec des sacrifices énormes. Et le Premier ministre le reconnaît. En pile monde dans le gouvernement, ça a vini de l'extérieur. Il a gagné des postes ailleurs, il a choisi vini. Sacrifice-là, il est brutal, surtout à l'ère de la désinformation, des réseaux sociaux qui, côté que, ou vulnérables à toutes sortes d'adjectifs qualificatifs selon l'inspiration du moment, selon l'humeur, selon l'intérêt personnel. Mais. Dans un sens, je suis très reconnaissant de l'expérience ça dans les 4 jours que je fait, que je suis intégré CPT1, parce que j'ai créé en carapace un blindage qui pouvait être efficace en termes de nouvelles fonctions que j'ai accepté de prendre, parce que je viens comprendre un peu les forces qui sont à l'œuvre et je viens comprendre tout que son choix que seulement moi-même moi qu'ai fait, qui c'est quitter affecté par lié donc renoncer, ou bien faire abstraction et continuer tant que je suis certain que c'est au service et au bénéfice de la population. Est-ce qu'on a dit tout que à partir de réponse ça Koba moins là nous le ouais non madame Dominique Dupuy y a un monde qui tout embrassé en carrière politique et que demain nous devons attendre à plus. Du tout, c'est pas du tout le ton de ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire c'est que toutes les filles et tous les fils d'Haïti ont une opportunité pour au service de pays. Moi-même, c'est à travers une carrière diplomatique que chance ça a présenté de façon plus évidente, parce que j'étais déjà au service de communauté, au service de ville et dans d'autres capacités. Et tant que là, aujourd'hui, c'est dans un poste ministériel, demain, il va continuer dans la diplomatie, hein, mais ce n'est pas nécessairement dans une capacité politique qu'on peut être au service de son pays. Je n'ai pas ton personnage politique en 2020 et je n'ai pas ton personnage politique comme ambassadeur. Je pense que l'engagement dont je parle est un engagement citoyen. Comme citoyen, moi pour une décision pour mon service pays et comme citoyen, m'a kembe décision ça jusqu'à mon dernier souffle et ça n'a aucun agenda politique attaché. La semaine dernière,
y a été organisé une retraite gouvernementale. Chaque ministre a gagné une feuille de route à exécuter. Quelle est votre idée de contenu feuille de route pour là, ou bien est-ce qu'on autorise de rendre quelque chose public là-dedans? Comme l'IPOCO finalisé et que son document est écrit collectivement, il y a les grandes lignes, bien entendu, même tu as préféré que nous tenions une publication officielle que le gouvernement a fait d'une voix unie, afin que si nous disons un bagage et que la ligne s'est effacée, nous ne pas dit que mal informé, non. Mais ce sera sous peu, Wendell. Très bien, merci. Merci. Non, mais je pose la question sur lui bientôt, s'il ne va pas faire aujourd'hui là. Je t'ai annoncé que j'ai une question qui a un rapport avec les cultes. Oui. Avant d'entrer dans le studio, où le téléphone me sonnait et puis il y a un monde qui t'a posé mon question, je t'ai dit, tu as des questions pour vous. L'homme qui vient là, m'a posé au lit, au moins, dit, c'est pas ton auditeur, c'est ton auditrice, au moins, elle a dit que prend en considération démarche l'IA. Auditrice, t'en dit, est-ce que le ministère des cultes n'envisage pas la possibilité de mettre sur pied un numéro de téléphone par lequel certaines gens victimes de nuisances sonores capables de relayer? Là, il t'a parlé de l'église qui a fait bruit le soir, qui a empêché mon dormir. Il était à parler tout l'autre activité qu'on fait la nuit autour et péristylio bah comme ça, est-ce que possibilité ça les, est-ce que les relever en quelque sorte de compétences, est-ce qu'ils a qu'à fait? Oui et non. C'est un phénomène qui a affecté énormément de nos concitoyens, parce que Jean-Noël jeudi hein, pas vraiment gain en répartition géographique. Et dans un pays d'Haïti, côté que gagne des quartiers résidentiels ou bien des quartiers qui plutôt commercial, nuisance sonore ça les vini dans cas auditrice ça de source qui du ressort des cultes, nous d'accord, mais nous gagne tout pour bar avec restaurant, nous gagne tout pour bidjonel, nous gagne pour un paquet d'autres bagages qui crée pour les tissouris, tout ça que nous connaissons qui crée des nuisances sonores, parce que c'est un vrai phénomène social que nous devons adresser si moun gen l'école le lendemain, si moun baka dormi, moun ki malade à côté l'hôpital gen bruit. Et ça, c'est du ressort aussi de mairie, voirie, sécurité publique qui pas compétence PAM. Néanmoins, je pense que li très à propos, très important que le ministère des cultes a ka penché sur création plateforme ça qui ta ka un espace de médiation entre les institutions pour lesquelles doléances ça ou plainte ça ou vin joindre nous. Et population, c'est-à-dire, m'a ben un exemple et abstrait pour ne pas rentrer dans le cas par cas, mais si on l'église ou bien on péristyle ou bien on n'importe qui et manifestation culturelle et nous recevons en plainte pour lui, est-ce que nous pas qu'à au bout de la 5e, 6e, 10e plainte inviter institution ça et créer un espace de médiation côté que nous ca mandé le prendre en compte et nuisance ça et ça l'a provoqué autour de communautés que il y a une vocation pour le desservir, parce que si on l'église ou on péristyle implanté dans une communauté, a priori c'est communauté ça même qui a bénéficié de services et religieux que l'a offrir. Donc et créons harmonie entre service ça et bien-être population autour de lien, c'est des mécanismes, bien entendu c'est pas ministre là qui va le faire, mais il y a des agents communautaires qui existent dans et ministère et culte là qui ca au service de telle situation et aider, dans la mesure du possible, créer des mécanismes de médiation et de compromis. En fond, tu parlais de États-Unis, que nous connaissons qui est très proche, c'est un voisin qui est proche de nous. Il y a un gros rôle tout joué dans ce qui a un rapport avec la politique dans le pays d'Haïti. Qui rôle ou mais qui position ou gagne en tant que ministre des Affaires étrangères sur les rapatriements de situations de ressortissants haïtiens en situation irrégulière ou situation d'illégalité? Question sous-traitance l'entour, est-ce qu'on a un yeux sur ça? Est-ce qu'on a un yeux tout sur le programme Biden en qui j'en comprends position américaine par rapport à point ça? Ce sont des points très importants et je connais qui a fait réflexion et sujet de réflexion à le plus haut niveau au sein de structure et exécutive noire. Et donc, Sam Ka dit, c'est que les États-Unis, c'est un partenaire privilégié d'Haïti, tout comme Haïti, son partenaire privilégié pour les États-Unis au niveau commercial, au niveau historique, culturel et surtout au niveau de sa diaspora.
et pas oublier que en grande partie et nous avons un apport économique dans la société haïtienne nan, qui sorti de et tout transfert que diaspora nous hein, a fait à partir des États-Unis. Bon faute quand même madame la ministre là parce que et fort ministre dit ba yo bien hein. Le dit Haïti c'est partenaire privilégié Haïti en matière commerciale et Haïti c'est partenaire privilégié États-Unis en matière commerciale. Faut que dit pays a bagay yo clair. Haïti c'est derrière la ca États-Unis. Haïti pa l'on dit partenaire, c'est comme si ou vendre moi m'a vendre nous gon bagay n'a fait gon échange n'a fait qui ça Haïti en États-Unis. États-Unis yo prend marché, yo prend pays d'Haïti, yo fait tourner marché du Rio et yo font paquet d'importation etc. Yo fait faire marché zam, yo marché munition yo. Là nous ka comprendre c'est pas et c'est partenaire privilégié vraiment. Mais nous connaissons diplomatie, donc bon façon pour ministre la bagay. Là n'a pardonné mais nous comprendre. Donc ce sont deux pays qui sont liés, nous t'as parlé de République Dominicaine tout à l'heure. Nous avons dit que même si nous pas sous même territoire géographique là, mais qu'on proximité géographique et qu'on proximité et historique et identitaire même, parce que l'on regarde des tissus sociaux américains aujourd'hui, même au niveau de leurs élus, qui ça que remarqué ont tendance de plus en plus vers une présence haïtienne et même au sein de la Maison Blanche. Et on regarde au poste de décision, au poste les plus visibles, n'a pas des Haïtiens qui ont émergé. C'est un symptôme de la diffusion identitaire ça qui a opéré, côté que Haïti fait partie de tissu social et américain. Et donc, en ce sens, relation a toujours été une relation privilégiée, où il faut absolument qu'il y ait un équilibre, comme je le disais tout à l'heure, et Haïti a sa place dans le Conseil des Nations. Tant que tout l'autre pays, faut le garder tout pays dans les yeux, faut le garder son intérêt face à n'importe qui pays et de façon digne. Et je pense que en termes des sujets spécifiques que vous évoquez, qui sont très importants, il serait nécessaire que nous tenions une ligne directrice dont nous avons parlé au là, qu'ab décider au sein de et auprès de l'autorité compétente et qui pral instruit non seulement moi-même mais population de position politique Haïti par rapport à eux. Gondite. Qui dit pour poser une question ça pour lui. C'est vrai que mon corps passé sous lui à pied joint au début interview. Bon d'abord dit a dit mon féliciter bon pas pour ça et il m'a dit pour demander au qui place académie diplomatique Jean Price Mars temps pour gagner dans réforme qu'autant main yo là considérer que c'est l'école formation maîtrise ministère cap nommé cadre pour diplomatie. Et en même temps tout gagnant yo qui pas gain chance intégrer aucune mission diplomatique et qui gagne 4.57 l'année dans service centraux yo. Ou t'es parlé de ça au début. Oui. Alors réponse à auditeur. Je suis content question qui m'a opportunité pour m'aller plus en profondeur parce que et pour l'instant nous porter à attention autorité compétente on proposition de plan d'action autour de 9 axes. Et yon de 9 points, c'est renforcement de l'académie diplomatique. Je pense que, et Wendell, si on a parlé de diplomatie, il faut nous garder boîte d'outils. Et yon de nos outils qui sont dans boîte d'outils pour réformer, pour remettre la santé, on a parlé de diplomatie malade tout à l'heure. Et yon de nos médicaments, c'est l'académie. Ça. Et pour l'instant, l'académie n'a pas utilisé le rôle, pas occupé le rôle prépondérant que le cadre doit occuper. Donc moi-même, tu as parlé tout de qui ça me tarait mais qui était derrière comme et symbole de réussite moi dans passage ministère là. Yonnayo c'est à Kanougon académie qui est occupé place que le mérité occupé hein, et surtout qui servit rôle de façon institutionnelle de façon automatique que le doit servir hein, qui s'est alimenté diplomatie hein, c'est-à-dire alimenté et service externe. Et journée jodi a pour bon exemple de engagement que me prend envers académie ça directeur académie fait partie de cabinet technique ministre là. Donc c'est un monde que j'ai accès à lui tous les jours qui j'ai accès à moi tous les jours et qui fait partie de réflexion réforme ça qui doit lancer et de et plan d'action que nous allons décliner autour de 9 axes là. Je pense que et accessibilité aux services externes vital j'aime t'a dit là et surtout nous pas doit vendre un faux rêve à moun qui a intégré l'académie ça. Nous pas doit faire quoi que on pral diplomate alors que nous connaît très bien que toute porte fermée pour yo et que c'est pas par route ça vraiment moun yo pral intégrer diplomatie. Faut nous casser et sentiment ça
pour nous montrer que si vous appliquez, si vous suivez la procédure, si vous réussissez, effectivement, vous place qui est réservée à vous, non seulement au sein du ministère, mais que les gens qui sont dans le ministère, ils ont même intégré les services externes. Je vais vous donner un exemple pour moi-même. J'ai respect pour deux directeurs avec lesquels j'ai pile et chance pour travailler avec eux tous les jours. Et peut-être, je ne vais pas citer exactement qui est, mais c'est deux directeurs au sein du ministère des Affaires étrangères, extrêmement compétents, qui chacun passait une 5 ans, l'autre 7 ans à l'étranger, dans des grandes missions. Et ils ont rappelé aux services centraux qui ça a fait. Continuer à travailler dans le service central. Et c'est grâce à eux, en particulier, si je dis à nous connaître qui est-ce que Dominique Dupuis. Parce que toute victoire que je remporte, conseil exécutif, inscription sous le jour, inscription ici, inscription ça, c'est travail service-là que le TAP dirigeant qui a alimenté des échanges de vote, des instructions pour si, des instructions ça. C'est travail pas dans le service central qui permet de moi des réussites stratégiques qui font émerger. Mais Mounsa, tu es passé 7 ans dehors. Les rappelés, les vignes, ils étaient au service. Dans la vision, pam, moun sa a une chance pour le sortir. Parce que si vous comprenez le principe ça, c'est que vous vraiment intégrer le service diplomatique là de façon holistique. Faut le ressortir là dans l'autre mission, il continue de travailler, il rentre, il ressortit et ça va créer une santé au niveau de ressources humaines que nous gagnons, ça va créer un nouvel élan côté que moun ka travaille du parfois dans chaleur, dans fait noir, pas gagne imprimante, internet n'a pas marché dans service central. Li connaissait pour 2 ans, 3 ans, li pral parti, l'a fait 4 ans dehors, li pral retourner 2 ans, 3 ans. Et surtout, Wendell, tout à l'heure, ou t'es interprété le temps comme un message politique, mais pas du tout. Si je suis diplomate et que je connais ma tournée à Haïti, dans 4 ans, qui est Terem? Et Terem, c'est assuré que je défends Haïti pour Haïti, puis bon. Mais si je suis diplomate et que je parti, je connais ma jamais tournée. Qui était Terem? Assuré. C'est vrai que je connais que quelqu'un qui passait 15 ans, dans des missions diplomatiques, peut-être plus, peut-être moins. Mais est-ce qu'actuellement, il y a des cas comme ça? Seulement suivre le fait que rappel là équivaut à une insulte. Il n'y a pas de équivaut à une insulte. Si je demande de tourner dans le pays, il n'y a pas de well dans une insulte. Exactement. Parce que ces pays ont observé. Je ne pas dire aller tel côté en Sibérie. Je ne pas dire aller. Je dis tourner la caille? Pour un petit temps? Pour ou bien? Un petit temps. On ne parle pas, on garde les bails. Si vous interprétez le temps qu'on insulte, bon problème déjà au niveau de la santé de l'interprétation rôle diplomatique. Non, alors c'est parce que il y a des gens qui croient que le tag anti même politique d'elle, c'est politique capture. Moi, je connais ça déjà. Oui, je connais. Non, c'est son rappel. Critiquement, Wendell, moi, c'est son bel exercice. Et la liste n'est pas encore publique pour une simple et bonne raison. Moi-même, où tu parlais de lettre de blâme moyen tout à l'heure, moi, je recevais lettre de blâme moyen sur TikTok. Et je ne souhaite pas qu'un diplomate jamais pour vivre ça me vivre là. Parce que je ne peux pas comprendre, non. Ça veut dire que l'être pas bien directement. Living Joel, 4 jours après que tu es sur TikTok. Donc, et comment tu gères ça? Bon, c'est vrai, c'est un petit zin, ça, un petit parenthèse. Zin que tu as fermé tout de suite. C'est une situation qui est très difficile à vivre. Là, on va vivre une situation intime, professionnelle, avec tout le public en même temps. Mais, est-ce que ça n'a pas animé un sentiment de vengeance, de revanche? Non, au contraire, ça a animé mon sentiment que je ne peux pas qu'un diplomate jamais vivre en situation pareille. C'est pour ça qu'il y a des journalistes qui disent « Ah, nous avons besoin de liste de monde qui rappelle, nous avons besoin... » Je dis autant que je ne suis pas certain que tout le monde est dans le meilleur, le ministère n'a pas publié en liste, ni officiellement, ni non officiellement, parce que ce n'est pas normal pour un diplomate apprendre par des médias ou par autre source que l'y rappeler. Oui, mais parfois, c'est qu'on est en boîte tout fit la fête. Et c'est très courant en Haïti. C'est grave. C'est très courant en Haïti. Et pas jamais des exemples qui tracent. Et je suis complètement d'accord. Et c'est un phénomène qui me précède, qui présente presque toute structure étatique. C'est un phénomène que je connais, que nous penchons sous lui pour que nous résoudre lui, pour recréer cette crédibilité dans la voie du gouvernement et de ses institutions. Parce que, faut administration qu'a faite par des voies officielles, moi-même, je connais que je prends des mesures au sein du ministère pour que nous évitions au maximum les phénomènes, ça, que nous, ouais, qui créent une instabilité et surtout qui créent un paquet en pile qui n'est pas pa fondé sur des faits. Il n'y a pas fondé sur des faits. Il faut nous être très sensibles au sensationnalisme. Bien, compatriotes, ici, fraîcheur, n'a pas campé là. Et c'est vrai, et l'entrevue est vraiment intéressante. N'a pas gardé Jean-Ministre, j'en ai vraiment et bail satisfaction dans la réponse. Mais nous connaissons
et question diplomatie en son point extrêmement important et pour tout pays et d'ailleurs sous besoin contrôler pays ou besoin faire pays ou prospérer progresser c'est comment échange diplomatique quoi avec l'autre pays et comment la comment l'autre pays a pour comment l'autre pays a respecté engagement l'autre pays vis-à-vis de vous même est-ce qu'il a respecté ou pas donc et si vraiment et en ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis li gagne li ouais et la bataille pour le remettre comme un diplomatique qui fort au service du pays au service de la nation haïtienne et n'a dit li bon succès OK bon succès fait tout ça qu'on est effectivement pour diplomatie haïtienne non pour c'est pas cache-cache li ben serré li ben cladan mais c'est moun ki compétent moun ki crédible moun kap ka servi pays honnêtement et qui a mette valeur sous valeur pays qui a ka représenter Haïti dignement qui pour faire partie de diplomatie. Oui, c'est vrai, dans dernier jour, ça y a eu un pile zing, un pile et émotion, un paquet pour te aller, pour te venir, se péter avec le ministère des Affaires étrangères, suite avec démarche ministre, tout ça. Mais nous voulons tout ça qui a un intérêt pays, tout ça qui a un intérêt nation, un intérêt peuple haïtien, que le prend toute bonne disposition, ça y a, que le prend toute bonne décision, ça y a, pour aider, gagner l'autre image de Haïti à l'échelle internationale. Mais tout, il y a extrêmement important pour madame la ministre et pour vraiment considérer relation et bilatérale Haïti Fédération Russie Haïti Russie en lien extrêmement important tout même le lui pas voulait répondre et lui pas voulait répondre sous question ça yo mais n'empêche que il faut que yo garder véritablement comment Haïti ka gagne relation avec un paquet l'autre pays et bien que États-Unis qui prend contrôle pays qui prend contrôle diplomatie contrôle politique contrôle sécurité pays d'Haïti li même li gagne perspective pâle pour Haïti par rapport avec la Russie par rapport avec la grande Chine tout ça mais fok en Haïti fok au niveau de diplomatie gen moun ki ka fait bouger grande ligne gen moun ki ka avancer dans sens ki ka bon pour Haïti dans intérêt pays donc compatriotes haïtiens frères sœurs quoi il y a extrêmement important pour nous continuer poser problème pays et venir avec des pistes de solutions qui ca aider et qui ca aider dans stabilité dans avancement dans progrès pays nous Haïti. C'est là n'a mettez en bout dans émission pour jeudi hein, c'est un véritable plaisir pour nous te porter information si là pour rester connecté à channel là pour cette programmation. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.